Donc on a un courant de valeur initiale égale à 0 ampère, d'accord. Donc 0 égale à si 2 exponentielle 0 s'appuie 1, donc plus E sur L. Donc si 2 c'est bien moins E sur L, d'accord. Donc on aura un courant I de t qui est égal à moins E sur R exponentielle moins R sur N fois T plus E sur R. Donc est égal, donc on peut faire sortir le E sur R en partant. Donc il nous reste 1 moins exponentielle moins T sur tout. D'accord. Avec tout égale 1 sur R. O égale R sur R, donc c'est la constante. Donc ça c'est pour la première méthode. On passe à la deuxième méthode. Donc on va utiliser, la transformée de Laplace. D'accord? On utilise la transformée de Laplace. Donc la transformée de Laplace de R I de t plus L d I sur dt égale la transformée de Laplace de E. Donc la transformée de Laplace a la propriété de linéarité, donc ça peut égaler la transformée de Laplace de R et de t. Donc on peut faire sortir R parce que c'est une constante. R fois la transformée de Laplace de I de t. Plus R, c'est une constante. La transformée de Laplace de I sur dt qui est égale à la transformée de Laplace. Donc E fois la transformée de Laplace de 1 en échelon unitaire. D'accord. Donc, égal à R plus, ou bien R fois I de P, plus L, la transformée de Laplace de I et de I sur dt, donc il faut revenir à mes vidéos sur la transformée de Laplace, donc vous avez les détails. Donc, P I de P moins I de 0, qui est égal à E, la transformée de Laplace de l'échelon unitaire, c'est bien 1 sur P. D'accord. Donc la valeur initiale égale à 0. Donc il nous reste R plus LP de tout fois I de P égale à E sur P. Donc ça veut dire que I de P égale à E sur P fois LP plus R. D'accord. Donc pour calculer la transformée, on vient I de T. Donc on utilise la transformée inverse de Laplace, d'accord. Donc on utilise la transformée inverse de Laplace, donc il faut décomposer ça en une moins simple. I de P, donc c'est A1, une constante sur P, plus A2 sur LP plus R. D'accord. Thank you.
Donc A1 égale à P fois I2P. Et P s'annule pour P égale à 0. Donc on aura E sur P sur simple bac P. Donc il nous reste LP plus R pour P égale à 0. Donc on aura E sur R. D'accord ? A2 égale à LP plus R fois I2P. LP plus R s'annule pour P égale à moins R sur L. Donc LP plus R lorsqu'il est multiplié par I2P, donc il sera simplifié avec LP plus R. Donc il nous reste E sur R pour E sur P pour P égale à moins R sur R. Donc on trouve moins E L sur R. D'accord? Donc I2P donc, égale à E sur R fois 1 sur P moins E L sur R fois 1 sur LP plus R. Donc on peut faire sortir le E sur R. Donc il me reste 1 sur P moins L sur LP plus R. Donc il faut écrire le dénominateur sous forme de P plus A. Ça veut dire qu'on divise par L. Donc il me reste 1 sur P plus R sur R. D'accord? Donc on applique la transformée inverse de Laplace. Donc j'ai la transformée inverse de I de P. Donc la transformée R, donc on a E sur R. La transformée inverse de 1 sur P, c'est bien l'échelle unitaire égale à 1. Moins la transformée inverse de celui-là, c'est exponentiel moins R sur L T. D'accord? Donc avec la transformée inverse de 1 sur P, c'est bien 1. Et la transformée inverse de 1 sur P plus A égale exponentiel moins A T. Avec A égale à R sur R sur R. D'accord? Donc on a trouvé le même résultat. Sur P. Donc on a dit avec O égale R sur R. R sur L. Donc on va essayer de tracer la valeur de I de T. Donc on a I de 0 égale à 0 ampères. Donc on a I de plus l'infini, si bien la limite, de E de T, la limite de I de T, quand T tombe vers plus l'infini. Donc quand T tombe vers plus l'infini, l'exponentielle de moins l'infini tombe vers 0. Donc il reste E sur R fois 1, donc c'est E sur R, donc on va noter U majuscule. D'accord? Donc ça veut dire que le courant en fonction du temps, donc aura pour allure, donc comme ça. D'accord? Donc ici, donc on peut dire que c'est le régime transitoire. نظام مؤقت donc ici c'est le régime permanent
qu'on a une réponse exponentielle du circuit, ou bien du courant sera à une forme exponentielle dans le circuit R. Donc la bobine, se comporte comme une inertie de courant. Donc elle ne laisse jamais le courant qui la traverse, la bobine. Donc, on ne laisse jamais le courant varier brutalement. D'accord? Donc, elle se comporte comme une inertie de courant. D'accord? Donc, la constante de temps. Donc, c'est elle qui contrôle le régime transitoire. R sur R, donc la constante de temps, d'accord, si telle qui c'est elle qui si elle qui contrôle le régime transitoire. Ça veut dire c'est tôt et tard. Donc rapidement, le courant atteint son régime permanent. Ça veut dire final E, C, R. Si la constante de temps est faible, ou bien si elle est grande, donc dans ce cas-là, le courant, d'accord, besoin de temps, d'accord, pour avoir pour atteindre la valeur finale E sur L, d'accord. Donc on peut calculer, on peut déterminer la constante de temps, d'accord, donc par plusieurs, bien par deux méthodes. D'accord. La première méthode, c'est la méthode calculatoire, avec la hisselia. Donc on a les valeurs de R et L. Donc on calcule. Donc égal à n, on calcule donc égal à r sur r, d'accord. Donc la deuxième méthode, donc c'est une méthode qui se base sur la caractéristique de t. Sur la caractéristique
I de t. Donc, on trouve une méthode qui se base sur la tangente. À l'origine, la tangente à l'origine et en fonction du temps. Donc ça c'est que le t égale 1 sur r. Donc on fait la tangente à l'origine, d'accord, l'intersection avec la valeur finale, ça donne tout. Donc on peut passer à démontrer ça. Donc on a tangente géométriquement, tangente alpha, c'est bien la dérivée à l'origine. D'accord? Donc le courant, on a le courant et le t égale à E sur R fois 1 moins exponentiel de t sur R. Donc si on dérive, donc on aura, donc on dérive, donc on a E sur R fois la dérivée de 1, ça fait 0. Moins la dérivée exponentielle moitié sur taux, ça fait moins 1 sur taux, fois moins ça fait plus, fois exponentielle moitié sur taux. Donc tout ça pour t égale à 0. Donc t égale à 0, donc exponentielle égale à 1, donc on aura E. Donc on aura E sur R, coup de bise. D'accord? E sur R que divise T. D'accord? Donc, cette méthode manque de précision, car c'est difficile. C'est difficile de tracer la tangente avec précision. Donc moi personnellement, je préfère la deuxième méthode. D'accord? Donc, pour t, donc on va essayer de calculer pour t vers la taux. Donc, I de taux égale E sur R pour 1 moins exponentiel moins t sur taux pour t vers la taux, ça fait moins 1. D'accord? Donc, ça donne E. Si vous calculez exponentiel moins 1, vous trouvez 0,37. 1 moins 0,37, ça fait 0,63.
D'accord, 63. Ça veut dire I de taux égale bien 63% de la valeur finale I. La valeur finale, d'accord, I qui est égale à 1 sur R. Donc, pour t égale à tout, donc ça c'est 0,63 fois i. On trouve, d'accord. Donc cette méthode est le plus pratique, il y a une bonne précision. D'accord. Donc cette méthode a une très bonne précision. D'accord. Et très pratique. Pratique. Surtout si on utilise un oscilloscope, il suffit de prendre le curseur horizontal, d'accord, et de le mettre à la valeur 0,63 de la valeur finale, donc directement en intersection avec la caractéristique, ça donne directement la constante de taux. D'accord. Donc on passe à la deuxième question, donc il y a 1B, d'accord. On va faire une étude énergétique du cylindre. Étude énergétique du circuit. Étude énergétique du circuit. Donc on a donc on a notre circuit. Donc, si on multiplie les deux nombres par I, donc on aura la puissance, fois dt, donc on aura l'énergie. Donc, E, donc on va multiplier les deux nombres de l'équation par I de t, d'accord, égale R I au carré, dt, plus L, dt, je sais pas dt, donc il me reste L, I de t, dI de t. D'accord. Donc ça, c'est bien des énergies délivrées par le générateur égale. Donc ça, c'est bien l'énergie qui va perdre. À vrai dire, de l'énergie perdue sous forme de chaleur par l'effusion de la résistance plus donc DEL. Donc EL, c'est l'énergie emmagasiné sur forme magnétique dans la bobine. D'accord. Donc on va noter ça. Donc ça c'est énergie
fournis ou bien délivrés pour lui par le générateur. D'accord. Donc EJR, donc c'est énergie. D'accord. Énergie perdue sous forme de chaleur par effet joule dans la résistance. Et EL, donc c'est l'énergie stockée ou emmagasinée dans la bobine sous forme magnétique. Donc c'est une énergie magnétique. D'accord. Donc on va essayer de calculer EL. D'accord. Donc on a DEL, c'est bien L et de T. DI de T. Donc on peut en faire l'intégrale de 0 à T. Donc à 0, donc, il n'y a aucune énergie dans la bobine, ça veut dire donc, il ne reste que L égale l'intégrale de 0 à T de L et de T DI. D'accord. Donc égale L, l'intégrale de E DI, c'est bien I au carré sur 2 de 0 à t. Donc pour t, donc le courant sera égal à i au carré de t. Pour 0, le courant égal à 0. D'accord. Donc on aura L, L égale N demi, L est au carré, donc ça c'est l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Avec encore E de 0 égale à 0. Donc le processus de transfert d'énergie donc sera comme suit. Donc le générateur donc de tension donne ou bien fournit donne au circuit de l'énergie. D'accord. Donc une partie de cette énergie sera perdue sous forme de chaleur par effet joule dans
la résistance. Donc on dit cette énergie perdue parce qu'elle ne revient jamais sous forme électrique. D'accord? Donc la résistance. D'accord? Et le reste. Sera emmagasiné sous forme magnétique, sous forme magnétique dans l'inductance. Dans l'indépendance. D'accord? Donc, origine permanent. Donc, le courant devient constant. Donc, I égale à L. Le courant égal à donc égal à E sur R, d'accord, égal à E sur R, et dans ce cas-là, VL qui est égal à L di sur dt, ça devient égal à 0 parce que il n'y aura aucune variation du courant, d'accord. Du courant. Donc, dans ce cas-là, la bobine cesse de. Donc, la bobine cesse d'emmagasiner. De l'énergie et